C'est un réel plaisir de partager avec vous ce petit segment intitulé « Comment découvrir sa destinée ?». C'est un grand honneur d'avoir avec nous le révérend pasteur Caleb Bouna de l'église Icon Arale. Bonjour pasteur. Bonjour frère. C'est un grand plaisir, merci beaucoup d'avoir trouvé ce temps de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Merci beaucoup. Et bon, sans plus tarder, j'aimerais vous poser une question, d'abord sur vous, pour que nos auditeurs puissent, nos téléspectateurs puissent vous connaître, vous. Parlez-nous un peu de vous et de l'église Icon Arale. Alors, je suis le pasteur titulaire de l'église Icon Arale dans la Caroline du Nord. Et ça fera bientôt 11 ans que je dirige l'église. Et nous sommes dans la Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh. Et c'est là où nous sommes. Parfait. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment découvrir sa destinée. Et tout le monde, nos téléspectateurs et beaucoup de gens à l'église ont voulu connaître un peu plus, comprendre ce sujet pour savoir un peu comment ils peuvent découvrir leur destinée et pouvoir vivre la destinée que Dieu a pour eux. Et avant de d'abord parler de ce sujet, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez définir la destinée pour nous et pour nos auditeurs et téléspectateurs? Le mot « destinée », nous pouvons comprendre dans la vie de quelqu'un ce qui a déjà été préparé d'avance, ce que Dieu a préparé, ce qui a déjà été arrêté. Et lorsque tu lis la Bible, le psalmiste dit que mes jours ont déjà été inscrits dans ton livre de vie lorsque je n'étais pas encore né. Et Jérémie, Dieu pourra lui dire, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà connu d'avance. Donc ce qui est déjà connu d'avance de la part de Dieu, avant que tu ne sois né, c'est ce que nous appelons la destinée. Et Paul pourra dire dans Éphésiens 1, 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus, pour que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc par la destinée, c'est ce qui a déjà été préparé d'avance de la part de Dieu, raison pour laquelle tu es né, la raison de ton existence, le but même de ta vie, c'est ce que nous appelons par la destinée. Ce qui veut dire, tout un chacun a une destinée propre, oui, qui est pour lui, selon que Dieu a arrêté. Ok. Et disons qu'il y a une certaine destinée pour chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'une personne peut faire pour découvrir sa destinée? Ok. Comme je disais tantôt, la destinée est individuelle à tout un chacun. Oui. Chacun a sa destinée par rapport à ce que Dieu lui a vu dans sa préscience, ce que l'homme doit faire. La destinée, c'est le but de ton existence. La destinée, c'est la cause, c'est la raison même de ton existence. Comment découvrir sa destinée? Tout ce que Dieu a mis dans la vie de l'homme, potentiel, qualité, attributs, dons, c'est par rapport à ta destinée. Pour comprendre ta destinée, tu dois apprendre à regarder ta vie. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui est au-dedans de toi qui te pousse beaucoup plus à faire? Quand tu regardes tes qualités, tu regardes tes attributs, tes comportements, tu es beaucoup plus attiré vers quoi? Parce que les qualités que Dieu a mis dans la vie de la personne, c'est par rapport à sa destinée. Si Joseph peut interpréter les songes, si Joseph peut avoir l'administration dans la maison de Potiphar, c'était par rapport à sa destinée. Être prêt à interpréter les songes de Pharaon, être prêt à faire l'administration de l'Égypte. Donc les qualités que Dieu a mises à la personne, c'est par rapport à sa destinée. Donc pour comprendre ta destinée, il faut savoir observer ta vie. Quelles sont les qualités que tu as? Qu'est-ce que tu as attiré vers plus? Quand la personne est en train de faire la chose que tu as attirée, tu verras qu'au-dedans de toi, il y a une force qui te pousse vers la chose. Qu'est-ce que quand tu fais, tu sens en toi la joie et tu sens que tu le fais, ça renouvelle même ta force. Qu'est-ce que les gens, quand ils te regardent, ils parlent de toi? Donc ta destinée, c'est autour de tout ce que tu as comme don et c'est ce qui pourra aller. Je pourrais encore aller plus loin. Quand tu regardes dans la Bible, Saoul, le premier roi d'Israël, la Bible dira, Saoul était jeune, il était beau, il était plus beau même que tous les jeunes d'Israël. Et non seulement cela, mais il était aussi haut de taille. Donc Dieu lui avait donné ses qualités parce que Dieu savait qu'il sera le roi d'Israël. Donc toutes les qualités que Dieu a mises en toi, c'est par rapport à ta destinée. Ta destinée, c'est autour de tes dons, autour de tes attributs, autour de tes potentiels, de tout ce qu'il y a. Maintenant, pour ce que tu n'as pas par rapport à ta destinée, Dieu pourra le mettre à côté des gens qui sont autour de toi. Okay. Et tu verras que pour arriver à sa destinée, Saoul n'avait pas d'argent, mais il avait un serviteur qui avait de l'argent, qui pouvait donner au prophète Samuel
Donc, ce que lui n'avait pas, Dieu avait mis à côté de quelqu'un qui était attaché à sa destinée. Donc, Dieu met des qualités dans la vie de quelqu'un. Ces qualités, c'est par rapport à ta destinée que Dieu le met. Il ne mettra pas ce que tu n'as pas besoin. Et ce que tu n'as pas, il le mettra à côté de quelqu'un qui est appelé à être avec toi dans la même destinée. Ok. Et comment est-ce que quelqu'un peut... Imaginons quelqu'un qui décide de vivre sa vie, de suivre sa propre vision et de ne pas suivre sa destinée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes que ça peut causer? Essayez de nous expliquer un peu une telle situation. Parce que le défi, c'est que beaucoup de gens se lèvent le matin, ils ont leur propre vision, ils décident de vivre leur vie de leur manière. Et qu'est-ce qui arrive à une personne qui ne suit pas la destinée que Dieu a tracée pour lui? Premièrement, nous devons comprendre, comme je disais là, la destinée, c'est quelque chose que nous devons trouver. Oui. Dieu a déjà préparé d'avance. Dieu a créé tout un chacun pour un but. Le but là, c'est ta destinée. Oui. Donc Dieu connaît la destinée de tout un chacun. Notre problème, ce n'est pas de faire notre destinée, mais de trouver notre destinée. Oui. Qu'est-ce que Dieu a créé d'avance pour nous? Oui. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Oui. Est-ce qu'il est-il vrai que quelqu'un peut vivre sans vivre la destinée que Dieu a préparée pour lui? Bien sûr. Quelqu'un peut vivre, mais n'est pas arrivé à entrer dans la destinée de Dieu pour sa vie. Donc si quelqu'un vit, ne pas connaître la destinée de Dieu pour sa vie, il pourra être en train de gaspiller tout ce qu'il a comme don, tout ce qu'il a comme attribut, tout ce qu'il a comme qualité, parce qu'il n'est pas en train de comprendre ce que Dieu a mis en lui et pourquoi Dieu lui a mis. Dieu n'a rien mis comme attribut, talent, don dans la vie de quelqu'un qui n'est pas de sa destinée. Mais si la personne ne comprend pas sa destinée, il pourra être là, mais en train de penser inutilement ce qu'il a comme don, ce qu'il a comme talent, ou même ne pas l'utiliser, comme dans la parabole de l'homme dans la Bible, il a caché ce qu'il avait, donc il ne pourra même pas l'utiliser. Ce qui veut dire, l'homme là pourra vivre, mais n'est pas arrivé à sa potentiel, pourra vivre, n'est pas arrivé à ce qu'il pouvait arriver s'il avait connu sa destinée et avait investi dans sa destinée. Donc nous ne faisons pas notre destinée, mais nous découvrons notre destinée et nous investissons tout ce que nous avons comme don à cela. Et quand tu ne le connais pas, tu pourras vivre, mais ne pas utiliser tout ce que tu as qui était propre à ta destinée. Et pour les gens qui découvrent leur destinée, c'est quel comportement que ces gens doivent avoir pour permettre la réalisation de leur destinée? C'est vraiment intéressant. Pour quelqu'un qui a compris sa destinée, il devrait avoir une manière de vivre par rapport à cette destinée. Premièrement, le nombre de vies à vivre ou le nombre de jours à vivre, comme le psalmiste disait, mes jours ont déjà été inscrits dans ton livre. Donc le nombre de jours de vivre sont comptés devant Dieu. C'est que Dieu ne te donne pas des jours de plus à vivre, si ce n'est que des jours que tu as besoin pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Donc, celui qui a une destinée doit savoir que ses jours sont comptés. Tu ne pourras pas, comme disait Jésus, augmenter le fils qui nous coudait à la durée de ta vie. Ce qui veut dire, celui qui a une destinée, qui a compris sa destinée, doit savoir comment gérer son temps. Dans la gérance de son temps, parce que le temps qu'il a pour vivre, c'est pas le temps pour faire la destinée de quelqu'un d'autre. Mais c'est le temps pour faire ta destinée. Parce que tu peux te retrouver en train de faire la destinée de quelqu'un d'autre, hein, ou la destinée que tes parents viennent de toi, mais pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Donc celui qui a la destinée doit savoir faire la gérance du temps. Parce que le temps que Dieu t'a donné, c'est juste le temps pour accomplir ta destinée. Deuxièmement, celui qui a la destinée doit savoir prioriser. Parce que la destinée, c'est ta raison de vivre, c'est ta priorité. Si tu n'as pas de priorité, tu vas entrer dans la priorité des autres. Donc celui qui a la destinée doit savoir prioriser. Qu'est-ce qui est priorité dans sa vie? Il y a des choses qui peuvent attendre. Parce que si tu ne vis pas selon tes priorités, tu entres dans la priorité des autres ou tu passes ton temps à faire des choses qui pouvaient attendre. Donc celui qui a la destinée doit savoir que je dois savoir prioriser mon temps et je dois savoir aussi manager, faire bien le management de mon temps. Et troisièmement, celui qui a la destinée, qui a compris sa destinée, qui a découvert sa destinée, doit rester focus à sa destinée. C'est comme le joueur qui est dans le stade, il est focus vers les goals. Donc il doit rester focus à sa destinée parce que ta destinée, c'est ta raison de vivre. Donc il doit rester focus à sa destinée. Et quatrièmement, je pourrais dire, comme Jésus, il était entouré de 12. Parmi les 12, il avait Judas qui était là, mais qui avait vendu Jésus pour l'aider à arriver à sa destinée, qui était de mourir pour le salut de l'humanité. Il avait aussi Pierre. Si ce n'était que Pierre, Jésus ne pouvait pas mourir à la croix, parce que Pierre était prêt à défendre Jésus, à
couper même l'oreille de quelqu'un pour défendre Jésus. C'est que dans ta destinée, tu dois aussi veiller sur les gens que tu mets autour de toi. Les gens que tu mets autour de toi pourront t'aider à atteindre ta destinée, comme le cas des serviteurs de Saoul, qui avaient ce que Saoul n'avait pas, pour l'aider à atteindre sa destinée, ou tu pourras mettre des gens autour de toi qui pourront t'empêcher d'atteindre ta destinée. Pierre se voyait être un ami, mais il pouvait empêcher Jésus d'aller dans sa destinée. Jésus l'a mis en disant, arrière de moi Satan. Mais Judas, c'est quoi être un ennemi? Mais c'est lui qui a aidé Jésus à aller dans sa destinée. Parce que dans la destinée, il y a des moments dans la destinée, tu connais ta destinée, mais tu ne connais pas les chemins. Les chemins de ta destinée sont entre les mains de tes ennemis. Aman pouvait connaître la haine qu'il avait pour Mardoché, mais la voie de l'élévation, ce qu'il lui faut faire, c'est Aman qui avait ça. Mettre dans les chevaux, mettre l'habit du roi, commencer à chanter, c'est Aman qui a proposé. Joseph pouvait avoir les rêves de sa destinée, la grandeur, mais il ne connaissait pas le chemin de l'Égypte. Ce sont ses frères qui l'ont poussé vers le chemin. Donc il y a des moments dans la destinée, tu connais ta destinée, mais tes ennemis connaissent le chemin de ta destinée. Ils vont croire en train de te faire du mal, mais en réalité, ils sont en train de te pousser dans le chemin de ta destinée. Donc, dans le domaine de la destinée, si tu connais ta destinée, tu dois veiller sur les gens que tu mets autour de toi. Parce que tout le monde n'est pas qualifié à entrer dans ta destinée. Si j'étais prophète, j'aurais dit tout le monde n'est pas qualifié à entrer dans ta destinée prophétique. Parce que Dieu met autour de toi les gens qui pourront t'aider. Mais si tu fais du mal, tu pourras mettre les gens qui pourront t'empêcher d'entrer dans ta destinée prophétique. En tout cas, c'est une très bonne réponse. Question suivante que j'ai, c'est, imaginons qu'une personne ne suit pas la vision que Dieu a pour elle, et en fin de compte, la personne finit par commettre beaucoup d'erreurs qui fait que la destinée est annulée. Est-ce que c'est une chose qui est possible? Est-ce que la destinée d'une personne peut être annulée? Ok, laisse-moi répondre à cette question à deux volets, si la destinée de quelqu'un peut être annulée. Laisse-moi répondre à deux volets. Premièrement, Dieu, c'est comme le GPS. Pour nous qui sommes dans des pays organisés, nous connaissons le GPS. Quelqu'un peut ne pas écouter ce que le GPS est en train de dire, il fait ce qu'il veut aller et il se retrouve qu'il est perdu. Et lorsqu'il va se retrouver qu'il est perdu, il va se décider, maintenant je vais suivre ce que le GPS a dit. Ce que le GPS fera, il va réécrire le chemin, rewrite le chemin. C'est qu'il arrivera à sa destinée, mais le chemin sera long. Sera long. C'est que quelqu'un qui a mal fait, qui a commis des erreurs, pourra encore vivre sa destinée si, faisant des erreurs, il a reconnu qu'il a mal fait et il veut rentrer auprès de Dieu, qui est le créateur de sa destinée, qui connaît sa destinée. Dieu pourra réécrire le chemin. C'est que la personne là pourra pas annuler, mais pourra seulement prolonger. Sa destinée qu'il pouvait attendre dans 2 ans, il pourra l'attendre dans 5 ans. Dans 5, il pourra l'attendre dans 10 ans. C'est que sa destinée n'est pas annulée, mais il a seulement rendu cela long. Parce qu'il y a des moments dans le chemin de la destinée, tu pourras devenir meilleur. Mais avant que tu ne deviennes meilleur, tu as besoin d'une expérience. C'est l'expérience qui te rend meilleur. Mais des fois, cette expérience qui t'a rendu meilleur, c'est le résultat des erreurs que tu as commises. C'est que les erreurs commises t'ont donné l'expérience et cette expérience t'a rendu meilleur. Donc il y a des moments quand quelqu'un reconnaît qu'il a mal fait, il rentre auprès de son créateur, Dieu peut prendre les défauts, les déchets, les erreurs, comme on dit en anglais, recycle. Donc il travaille ça, ce qui était comme erreur que tu avais commis devient comme une leçon. Ce qui était comme une erreur devient comme une expérience. Donc Dieu est capable, si quelqu'un avait mal fait, mais il a reconnu qu'il avait mis Dieu à côté de son parcours. Maintenant, il veut rentrer auprès de Dieu. Selon que le psalmiste 84, 5 dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc il rentre auprès de l'Éternel, il se confie maintenant à l'Éternel, il pourra maintenant trouver des voies que le trouver. Pas faire ses voies, mais trouver des voies que le Seigneur a déjà tracées. Il pourra rendre cela long, mais il pourra ne pas être annulé. Mais maintenant, si la personne, par rapport aux erreurs commises, au lieu de rentrer auprès du Seigneur, il continue dans le même chemin de l'erreur. Si la personne, au lieu de rentrer auprès du Seigneur, il devient amer, il décourage, il abandonne, la personne pourra ne pas arriver à sa destinée. Et à ne pas oublier que la destinée ou la vie est faite de décisions. Les décisions que nous prenons, lorsque nous faisons des erreurs, peuvent nous aider à atteindre notre destinée ou peuvent nous aider à passer à côté de notre destinée. Pourquoi? Tu peux prendre comme Ruth, Orpa, dans le même moment, dans les mêmes circonstances. Orpa prend la décision de rentrer,
Ruth prend la décision de continuer. Apparemment, la décision de Ruth n'était pas bonne. Elle va avec une femme vieille qui n'a pas d'enfant, un pays étranger, il ne connaît personne, il doit reprendre à zéro, il n'y a même pas d'espérance de se marier. Il va dans une culture nouvelle qu'il ne connaît même pas. Apparemment, la décision de Orpah a été bonne. Il rentre dans son pays, il a sa famille, il peut se marier, il connaît la culture, c'est bien. Donc, apparemment, la décision de Orpah a été bien que par rapport à Ruth. Mais parce que la destinée est attachée aux décisions que nous sommes en train de prendre. La décision de Ruth, qui n'apparaissait pas bien au moment-là, lui a aidé à entrer dans sa destinée à voir comme le père Obed, qui nous connaissons dans l'histoire de Jésus. Donc la destinée est faite de décisions. Les décisions que nous prenons à la légère pourront affecter notre destinée. Mais les décisions que nous prenons en considérant pourront nous aider à atteindre notre destinée. Donc nous ne devons pas négliger par rapport aux horaires. Cela va dépendre de comment tu vas agir. Ton horaire, tu considères ça comme une leçon, comme une expérience. Tu rentres auprès du Seigneur, ça pourrait être long, mais tu pourras encore atteindre ta destinée. Mais si tu deviens amer, tu abandonnes, tu te décourages, tu pourras vivre, mais ne pas atteindre ta destinée. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous aimeriez partager avec nous? Oui, s'il y a un mot de la fin, j'aimerais dire à tout un chacun que Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions juste passer du temps sur la terre. Il y a toute une éternité qui nous attend. Mais pendant que nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a donné une mission. Cette mission est propre à tout un chacun. C'est ce que nous appelons ta destinée. Avant que tu ailles passer l'éternité au ciel, Dieu t'a d'abord donné une mission sur la terre. Cette mission, c'est ta destinée. C'est à toi de chercher à découvrir quelle est la mission de Dieu pour ta vie. Ta destinée, c'est à quoi tu as été créé pour faire, le but de ton existence. Et lorsque tu regardes dans ta vie, tu pourras découvrir ce que Dieu a mis en toi, qui sont les indications de ta destinée. Mais si tu négliges le Seigneur, tu pourras par la grâce, peut-être par la grâce, arriver à ta destinée, mais souvent, il est difficile de reconnaître ta destinée sans le Seigneur, parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui seul qui peut t'aider à découvrir ta destinée et atteindre ta destinée. Donc toi qui ne considères pas le Seigneur dans ta vie, il serait mieux que tu t'arrêtes dans ton chemin et essayer de rentrer auprès du Seigneur, car seul le Seigneur peut t'aider à atteindre ta destinée. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, merci beaucoup pour la parole que vous avez partagée avec nous. Et c'était une parole très édifiante qui nous a permis de comprendre le sujet d'aujourd'hui, la destinée. Et cette église, c'est l'église Icon, c'est une production de Icon TV. Veuillez suivre plusieurs émissions comme ça, où vous allez écouter des sujets différents, la destinée, la grâce et beaucoup d'autres sujets intéressants qui vont vous aider dans vos vies. Merci beaucoup, pasteur. Il y aura beaucoup d'autres pasteurs qui vont aussi parler, qui viendront à Icon. Icon est une très grande église qui se trouve à Raleigh, et Raleigh qui est aux États-Unis. Et le numéro de téléphone pour ceux qui sont loin, qui aimeraient nous joindre et prier avec nous, de 5h30 à 6h30 tous les jours du lundi au vendredi. Le numéro, c'est le 605-475-4700. Et il y a un code d'accès qui va vous permettre de pouvoir accéder à ce numéro et pouvoir prier avec nous. Le code, c'est le 98, ou je dirais simplement le 88-60-57. Avec ce code d'accès, vous pouvez prier avec nous. Et pour suivre encore plus d'émissions comme ça, allez sur Icon TV, sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Et veuillez partager cette vidéo avec vos amis pour que les gens puissent écouter la parole de Dieu, la destinée, et aussi amener les gens à l'église, pour ceux qui viennent déjà ici, à l'église Icon à Raleigh. Et notre adresse, pour ceux qui aimeraient bien se retrouver et venir ici, l'adresse c'est le 3408 C. Et l'avenue c'est Lake Woodard Drive. C'est à Raleigh, Icon, en Caroline du Nord. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous recommander dans la prière pour clôturer ce segment intitulé « Comment découvrir sa destinée » avec le pasteur Caleb Bouna, révérend pasteur Caleb Bouna, pour plus précisément. Amen, nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, car c'est toi qui nous as créés. Nous sommes ton ouvrage et a été créé en Christ et Jésus pour des bonnes choses que tu as préparées d'avance. Ma prière, que tu éclaires tout un chacun de nous, même ceux-là qui sont au loin, à rencontrer Jésus-Christ dans leur vie, afin de comprendre la destinée pour laquelle nous avons été créés. Merci pour tout celui-là qui a suivi et pour tout celui-là qui pourra suivre à la suite du temps. Que ton Esprit Saint puisse agir. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur.